Bonjour. Alors dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour faire du graphisme dans le terminal. Donc ça va dans n'importe quel terminal. Évidemment, c'est pas très lisse comme dessin parce que un terminal c'est des gros carrés pour les caractères. Alors j'ai fait un petit programme ici que je vais ouvrir avec, par exemple avec Tony. Voici ce programme, il utilise la librairie Plottext, donc c'est pour faire du plot, donc c'est-à-dire dessiner dans un terminal en mode texte. J'utilise Math pour faire une sinusoïde, parce que je vais dessiner une sinusoïde. Je remplis un tableau de points de la valeur du sinus, un immense tableau de coordonnées, et puis je vais appeler la fonction PLTScatter pour dessiner dans la mémoire de l'ordinateur, puis ensuite show qui va afficher effectivement tout ça en une fois. Le programme se dessine assez vite, vous allez voir, clic, et voilà, on a dans notre terminal une sinusoïde peut-être pas très bien dessinée, mais enfin on peut difficilement faire mieux. Il s'agit de petits carrés noirs qui sont en fait des caractères avec des petits carrés côte à côte, et puis là aussi c'est des caractères spéciaux qui font les bords du diagramme. Enfin bref, c'est pas si mal, mais vous pouvez imaginer montrer ça à vos élèves si vous voulez pas aller beaucoup plus loin dans le graphisme. C'est déjà pas mal. Maintenant, évidemment, c'est utile pour dessiner n'importe quoi, mais c'est surtout orienté objet, donc c'est pas toujours très facile à imaginer. Merci de m'avoir écouté.